Bonjour, donc ben voilà, c'est moi qui inaugure la première présentation en 10 minutes top chrono. Et l'idée de cette présentation qui est très descriptive, comme vous allez le voir, c'est plutôt de fournir des éléments de réflexion pour réfléchir un peu dans le contexte très contemporain où de nombreux discours s'inquiètent d'une sexualité adolescente qui serait de plus en plus précoce et qui serait caractérisée par un recours alarmant à l'avortement et puis par une jeunesse qui serait éduquée à la sexualité par la pornographie. Donc c'est un discours qu'on entend de manière assez récurrente et qui, en fait, semble avant tout, comme les données vont vous le montrer, traduire un certain effet de panique morale, pour reprendre l'expression de Michel Bozon, qui est chercheur ici, avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur les questions de sexualité. Tous ces discours traduiraient plutôt l'effet d'une certaine panique morale des adultes vis-à-vis de la sexualité des jeunes. Alors, je vais essayer donc d'apporter quelques éléments de réflexion à ce débat pour que chacune et chacun puisse se faire une opinion sur les enjeux actuels. Alors, quelques données, parce que l'exercice est de faire un topo en 10 minutes, donc je vais être assez schématique, mais je pense qu'il y a un temps de questions qui est prévu après. Quelques informations sur l'évolution du contexte social dans le domaine de la sexualité et de la contraception au cours de ces dernières années. Je ne vais pas faire de discours sur les méthodologies, juste pour dire que je m'appuie là, dans cette présentation, sur deux grandes enquêtes INSERM-INED, l'une sur le contexte de la sexualité en France, réalisée avec Michel Bozon, et l'autre sur les enjeux contemporains en santé sexuelle, l'enquête Fécond, réalisée en co-direction avec Caroline Moreau et toute une équipe avec des chercheurs de l'INED et de l'INSERM. Donc, juste pour montrer sur cette diapositive qu'indéniablement les choses se sont profondément modifiées au cours de ces dernières décennies, puisque vous voyez là le nombre de personnes, de jeunes qui déclarent avoir eu, quand ils avaient 15 ans, des informations sur la sexualité à l'école. Vous voyez, avec une évolution continue, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que l'information qui est délivrée par les jeunes à l'école ne soit pas, et même on sait qu'elle l'est par d'autres enquêtes, extrêmement genrée sur le contenu qui est véhiculé quant aux représentations de la sexualité des filles et des garçons. On pourra revenir dessus en discussion. Cette information, elle est aussi transmise par un acteur clé de la socialisation qui est la famille. Et vous voyez sur cette diapositive que là encore, les choses sont extrêmement genrées, enfin de manière plus évidente encore que sur la diapositive précédente, où la question du genre était surtout dans le contenu, puisque vous voyez que les filles sont beaucoup plus informées que les garçons, et ce sont surtout les mères qui informent par rapport aux pères. Un autre élément pour caractériser rapidement l'évolution du contexte social, c'est que le contrôle parental sur la sortie avant 18 ans, là encore, les choses ont beaucoup évolué, puisque vous voyez ou vous ne voyez pas, parce que c'est tout petit, que chez les personnes de 60-69 ans, les femmes de 60-69 ans, 71% d'entre elles n'avaient pas le droit de sortir quand elles avaient autour de 18 ans. Elles ne sont plus que 17% aujourd'hui. Chez les garçons, c'est également une tendance à la baisse, mais vous voyez quand même que près de deux fois plus de filles que de garçons déclarent être toujours dans une situation où ils n'ont pas le droit de sortir, et que à l'inverse, ceux qui disent qu'ils n'avaient pas besoin de dire ce qu'ils faisaient, c'est que 1,4% des filles et 8% des garçons. Alors, dans un tel contexte, je vais quelques éléments rapides d'activité sexuelle, puisque je ne vais pas utiliser tous les indicateurs qui sont disponibles dans nos enquêtes. Première donnée importante, c'est l'évolution de l'âge médian au premier rapport sexuel, dont on ne cesse de nous répéter qu'il baisse dramatiquement ces dernières années. Vous voyez ici, on a la chance en France d'avoir des enquêtes sur la sexualité qui sont répétées dans le temps, et on peut remonter jusque dans les années 40. Et vous voyez que des années 40 jusqu'à la dernière enquête Fécond de 2010, vous voyez des tendances sur le long terme. C'est toujours extrêmement important de resituer les évolutions sur le long terme, avec dans les années 40, 4 ans d'écart entre le premier rapport sexuel entre des filles et des garçons. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 4 mois. L'autre commentaire important à faire sur cette diapositive, c'est que l'écart femmes-hommes s'est largement réduit dans les années où les femmes ont connu un essor assez spectaculaire de leur scolarité, et ça renvoie à des présentations qui seront faites après, et où le statut social des femmes, d'une manière générale, a profondément évolué dans la société française, avec l'essor des scolarités féminines et aussi l'entrée massive des femmes sur le marché du travail salarié. Donc, parenthèse pour dire que finalement, ce qu'on voit dans le domaine de la sexualité est avant tout le reflet de ce qui se joue dans les autres sphères sociales.
Et puis on voit que les événements liés à la légalisation de la contraception, de l'avortement, le remboursement de l'avortement ou les campagnes IVG ont finalement eu, campagne SIDA ont finalement eu peu d'impact sur l'évolution de l'âge d'entrée dans la sexualité. Alors, quant aux pratiques sexuelles, juste un dernier point sur cet événement majeur qui est l'âge au premier rapport sexuel, c'est pas parce qu'il n'y a que 4 mois d'écart qu'il n'est pas vécu très différemment encore par les filles et les garçons. Et les analyses qu'on a faites, en particulier celles de Boson, montrent bien qu'on a toujours ce clivage dès l'entrée dans la sexualité où c'est plus un événement qui est relié à un enjeu affectif et relationnel pour les filles, alors que pour les garçons, c'est déjà, je dirais, un événement qui renvoie à une expérience de l'activité sexuelle et un passage vers l'âge adulte. Alors, on pourrait multiplier à l'envi les statistiques, je ne vais pas le faire aujourd'hui, c'est juste pour dire que dès le tout début de la vie sexuelle, on voit des trajectoires genrées qui se mettent en place avec les filles qui sont beaucoup plus souvent en première relation avec un partenaire avec lequel ça va durer longtemps, alors que les garçons sont beaucoup plus dans des relations courtes. Et vous avez également un autre indicateur intéressant, 68% des filles se déclaraient très amoureuses au moment de leur premier rapport contre 38% des garçons, ce qui éclaire ce que je disais tout à l'heure sur le vécu de l'événement, et puis aussi des indicateurs sur le nombre de partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois chez les 15-19 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels. Et vous voyez là aussi que les filles sont beaucoup plus dans des schémas de partenaires uniques, tandis que les garçons ont déjà des vies sexuelles plus diversifiées. Alors finalement, ce qui est très important à prendre en considération pour comprendre aussi le sens de ce discours de panique morale des adultes, c'est de voir qu'un événement majeur, c'est que si sur le long terme, entre les années 40 et aujourd'hui, on voit une baisse de l'âge au premier rapport sexuel, ce qu'on voit dans le même temps, c'est une augmentation de l'âge à la première naissance. Et du coup, l'enjeu très important, c'est que le temps de sexualité non conjugale ou de jeunesse sexuelle ne cesse de s'accroître au fil du temps, c'est-à-dire des relations sexuelles qui surviennent dans des contextes où la question de la parentalité ne se pose pas. Et des relations sexuelles qui surviennent dans un contexte où vous voyez que le nombre d'années, hein, si vous faites tout simplement la différence entre les deux courbes, l'évolution est quand même assez spectaculaire en peu de temps, où ces jeunes ont des rapports sexuels beaucoup moins contrôlés par le milieu parental et par les adultes d'une manière générale. Alors dans ce contexte où les relations sexuelles sont très nombreuses et ne se prêtent pas à la parentalité, bah évidemment, en tout cas pour celles et ceux qui ont des relations hétérosexuelles, l'immense majorité, mais pas tout le monde, la question des enjeux contraceptifs se pose. Et contrairement à ce qu'on peut entendre de ci, de là, toutes les données d'enquête montrent finalement que les jeunes femmes et les jeunes hommes, qui sont tout aussi concernés par la contraception que les jeunes femmes, finalement ont des pratiques contraceptives de plus en plus importantes, de plus en plus efficaces. Et vous avez sur cette diapositive la méthode de contraception qui est utilisée au premier rapport selon l'année du premier rapport. Donc tout à gauche pour vous, c'est les premiers rapports avant les années 60 jusqu'au premier rapport qui ont eu lieu ces toutes dernières années. Sans rentrer dans les détails, on voit très clairement qu'il y a une diffusion massive de la pratique contraceptive au premier rapport sexuel, et en particulier l'utilisation du préservatif qui augmente au fil du temps et qui traduit l'impact des campagnes de prévention du VIH dès le milieu des années 90. Alors, pour autant, même si la contraception est utilisée, vous savez que les contraceptions ne sont jamais efficaces à 100% pour tout un tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer ici. Mais on entend aussi beaucoup de choses sur l'inconséquence des jeunes en matière de contraception et de sexualité qui rendrait compte d'un taux de recours important à l'avortement. Comme vous pouvez le voir ici, les femmes mineures, finalement, elles sont aussi souvent à utiliser une contraception que les femmes majeures quand elles se retrouvent en situation d'avortement. Ce qui change, c'est-à-dire à peu près un tiers d'entre elles, ce qui change, c'est la méthode qu'elles utilisaient au moment où elles se sont trouvées enceintes sans le souhaiter et où elles ont eu recours à l'avortement. Ce qui change, c'est la méthode utilisée, puisque vous voyez chez les jeunes une forte dominante du préservatif qui renvoie au discours qu'on leur a tenu. Finalement, les jeunes, on leur dit d'utiliser le préservatif, bah c'est ce qu'elles font, et le préservatif n'est pas une méthode efficace à 100%. Alors,
Pour terminer sur les données, avant de faire vite une conclusion pour rester dans les 10-12 minutes qui me sont allouées, finalement, grâce à la diffusion de la contraception que je vous ai montrée, ce qui se passe, c'est qu'on a une diminution des conceptions dans la population générale et en particulier chez les jeunes. Et une relative stabilité du taux de recours à l'avortement au fil du temps. Et quand on regarde sur une longue période, on voit que les effets d'augmentation de 1 pour 1000 entre deux années, qui sont parfois commentés comme étant des événements importants, n'ont finalement pas grand sens, puisqu'on voit que c'est vraiment une tendance à la stabilité qu'on observe. C'est pareil chez les 18-19 ans, mais finalement, qu'est-ce qui a changé au fil du temps? C'est la probabilité d'interrompre une grossesse non prévue. Alors, d'un côté, on a moins de grossesses non prévues grâce à la diffusion de la contraception, mais de l'autre, dans un contexte où l'âge à la première parentalité ne cesse de se décaler dans le temps, face à une grossesse non prévue, on avorte beaucoup plus souvent aujourd'hui qu'avant. Ce qui fait que, si vous voulez, cette relative stabilité des taux d'IVG, finalement, elle traduit un double phénomène. C'est l'impact de la diffusion de la contraception qui a permis une diminution des grossesses non prévues, mais qui est statistiquement annulée, je dirais, par le fait qu'on a de plus en plus souvent recours à l'avortement quand on est jeune aujourd'hui que ça ne l'était auparavant, puisque les normes sociales de la maternité, dont l'âge est un indicateur parmi d'autres, les normes sociales de la maternité ont fortement évolué dans la société française au cours de ces dernières décennies. Alors, j'ai pas le temps de parler des représentations de la sexualité, mais vous allez me croire sur parole quand je vais vous dire qu'en dépit de toutes ces évolutions dans les pratiques sexuelles et contraceptives, ce qui ne bouge pas et ce qui fait l'objet de toutes nos interrogations, c'est le fait que les représentations de la sexualité, elles, restent assez figées dans le temps et continuent d'opposer, grâce à cet indicateur emblématique, par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes, bien évidemment, c'est faux, mais vous voyez que, y compris chez les très jeunes, on a toujours cette représentation naturalisante de la sexualité et qui fait que même les jeunes femmes, encore plus que les jeunes hommes, considèrent que, par nature, les hommes, lapsus non révélateur, auraient plus de besoins, encore doublement révélateurs, sexuels que les femmes, décidément, j'ai du mal avec cette assertion. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les données d'enquête montrent qu'il y a une diversification des sources normatives sur la sexualité. J'en ai montré quelques-unes, Internet en est une autre, etc. Et ces sources d'informations peuvent être contradictoires les unes avec les autres. Les films pornographiques sont aussi une source d'information, mais une parmi d'autres. Qu'il n'y a pratiquement plus de fossé entre les générations en matière d'attitude vis-à-vis de la sexualité, mais ce qui subsiste fortement, c'est les différences entre les hommes et les femmes. Et que finalement, les modalités de contrôle social sur la sexualité des jeunes, et en particulier des femmes, se sont déplacées. Ce n'est plus les mêmes acteurs qui émettent des discours normatifs sur la question, mais qu'elles restent bien présentes et qu'elles jouent aujourd'hui de l'égalité entre les sexes, mais toujours sur le registre de la différence. Et la diapositive que je vous ai montrée sur les besoins sexuels est vraiment paradigmatique de cette perspective de la différence des attentes sexuelles des hommes et des femmes, et que finalement, on se heurte toujours à une remise en cause de cette différence qui est pensée comme existante et surtout renvoyée au registre de la nature, donc difficilement surmontable. Et qu'on arrive aujourd'hui à des tensions, surtout pour les jeunes femmes, et ce sera ma dernière phrase, parce qu'elles ont une sexualité de plus en plus diversifiée, mais les moins jeunes aussi, mais dans un contexte social où les représentations de la sexualité n'évoluent guère et continuent à opposer une sexualité masculine qui est essentiellement pensée sur le registre d'un nécessaire assouvissement des besoins sexuels des hommes, tandis que la sexualité féminine, alors que dans les faits ça correspond de moins en moins à ça, est elle toujours renvoyée au registre de la conjugalité et de la dimension relationnelle, ce qui crée un certain nombre de tensions, en particulier pour les femmes. Merci.